Donc là, je vais vous montrer comment on associe une teigne avec une palette dite cuillère. Donc là, toujours pareil, hein, je pique au cucu de la bête. Et ensuite, je vais prendre un peu de pâte. Donc là, je vous prends juste une pâte toute simple, unicouleur, pour qu'on voit bien. Donc là, je malaxe bien pour la bien chauffer, pour la rendre bien compacte. Donc une boule. Donc pour, si on associe la pâte vivant avec la pâte, on sera forcément obligé de faire cette façon là parce que sinon on peut pas mettre la pâte vivant avec. Donc là, je vais la transformer tout de suite, ma petite boule, en olivette, comme je vous l'ai montré d'ailleurs. Voilà l'olivette. Et là, toujours pareil, je vais la petite olivette, je vais la transformer en palette. Donc, petite pression. Voilà, toute simple. Et là, je prends mon hameçon et je vais piquer un tout petit peu dans la pâte. Et je la place au milieu. Voilà, l'animal. Et là, je fais rentrer le fil sur la pointe de ma palette. Et là, c'est pareil. Je ferme. Et je fais tourner. Et là, c'est toujours pareil. Je retourne ça légèrement en arrière et donc là on a une association entre palette et un appât vivant. Donc on va voir ce que ça fait dans l'eau. Et voilà. Vous voyez ? Donc c'est toujours le même principe, si votre palette combinée avec l'appât vivant ne tourne pas ou très mal, le résultat ça se fera sentir forcément, hein. D'accord ?